Bueno, aquí estamos otra vez con la restauración fase 3, vídeo número 2. On est ici avec la restauration phase 3, vídeo número 2. Bueno, pues aquí como vemos hemos sobrepuesto el basculante de la ZX10 provisionalmente con la llanta de la ZX7. Bon, ben, ici on a monté pour le moment le BO de la 10R avec la roue de la 7R. Entonces, ahora vamos a ver por encima algunas modificaciones que tenemos que llevar a cabo. Bueno, alors, ici maintenant, on va voir quelques modifications qu'on doit faire. OK? Alors, on s'approche, nos acercamos. Y bueno, por lo pronto, alors, pour le moment, l'axe de la CTR n'est pas valable. Lo que es el eje de la ZX7, del basculante, no es válido porque es más ancho que el de la ZX10R. C'est pas valable parce que l'axe de la 10R est moins gros que celle de la 7R. Alors on doit mettre forcément celle de la 10R. Así que tenemos que poner obligatoriamente el eje de la ZX10. ¿Cuál es el problema? C'est lequel le problème? Eh bien que, comme ça mesure moins, como mide menos, on voit que, voilà, ça prend pas toute la place. No coges todo el sitio. Alors on va devoir faire une pièce pour que ça soit valable. Así que tendremos que mandar a hacer una pieza para que quede centrada y pueda valer. Eso por aquí. ¿Vale? Entonces, eso tendremos que modificarlo. Alors ça on devra modifier ça. OK? Alors par l'autre côté, por el otro lado. Vemos que nos pasa lo mismo. On voit que y a le même problème. OK. C'est trop grand. Et si on met la pièce de la 10R, si on met ça, parce que normalement ça vient ici, ben c'est pas valable non plus parce que c'est même pas encore la même mesure que ça. O sea, si ponemos esta pieza aquí incluso, no llega todavía a ser la misma medida que esta. Aparte de que el eje este se viene hacia atrás. Y si on met ça aussi, eh ben l'axe vient plus en arrière et ça n'arrive pas de côté. OK? Alors ça, on ne peut pas le mettre. Alors ça, il faudra faire des pièces, deux, une pour chaque côté. Habrá que hacer dos piezas, una para cada lado. Et bon, et on verra ce que ça donne. OK? Et alors, par ici et por aquí, vemos. Alors là-bas, au fond, on voit que c'est parfait. Vous voyez, ça rentre tout juste, pas de problème, et l'autre côté aussi. Voilà, aucun problème, c'est parfait. Dans ce cas, le BO, c'est parfait parce que c'est la même mesure que celle de la 7R. 25.7, alors pas de problème. Et bon, eh ben, pour le moment, c'est ce qu'il y a. J'ai mis la roue de la 7R pour voir. He puesto la rueda de la ZX7 para ver. Y bueno, la verdad es que no queda nada mal. Vamos a tener otro problema. On va avoir un autre problème. Y c'est que quand la roue va en arrière, cuando la rueda va hacia arriba, eh ben, là, ça touche. OK. Alors peut-être qu'on va devoir modifier ça. Lo más probable es que tengamos que modificar este hierro. ¿Vale? Porque si levantamos lo que es la llanta, si levantamos el basculante, si on lève le BO, eh ben, là ça touche. OK? Alors bon, il va falloir modifier cette pièce là aussi. Pero bueno, aparte de eso, por el momento, es lo que hay. Y bueno, no queda nada mal. Por el momento, on voit ça et bon. Ça n'a pas l'air mal du tout. OK? Ben, on continue. Merci. Pues nada, continuamos. Hasta luego.